Et pour couronner... Officier, est-ce que j'ai reçu un appel concernant un incident avec un Krogan ? Oui, par ici, commandant. Alors, Grunt, vous avez quelque chose à me dire ? Ah, ce guignol veut me mettre en taule. Du coup, je vous ai appelé pour qu'on règle ça. Commandant Shepard, pardon de vous déranger. Ce Krogan insiste pour que nous vous contactions. C'est bon, je m'en occupe. Je vous signerai toute la paperasse. Oui, chef. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas trop. J'ai bu, j'ai quitté l'hosto. Et j'ai cassé quelques fenêtres. Mais vous étiez à l'hôpital pour vous remettre sur pied après la rencontre avec l'arachnée. Ouais, et j'avais pas envie de rester. La plupart des gens restent, juste le temps d'être soignés. Je suis pas les gens. Pourquoi le SSC ? Je crois qu'ils enquêtent sur des fenêtres cassées. Avant que je vous fasse sortir, j'espère que personne n'a mal fini, estropié ou pire encore. Eh ouais, tout le monde va bien. L'hôpital a pris cher, par contre. Bon, parlez-moi des fenêtres. Deux potes ont voulu me faire sortir pour mon anniversaire, en me faisant descendre par la façade avec une corde. Ouais, ça a pas marché. C'est votre anniversaire ? Non, je suis né en cuve. Bref, on est allé faire les photos au Memorial Krogan. Au Présidium ? Ouais, quand les gars du SSC sont arrivés, ils étaient comme fous. Mais c'était peut-être pour leur voiture en feu, je sais plus. Pourquoi elle était en feu ? Je lui ai balancé ma bouteille de Rincol, un truc plutôt fort. Elle a pris feu comme ça. Les flics sont sortis vite fait. Je me suis dit qu'ils en voulaient plus, alors je l'ai prise. On n'est pas allé loin avant qu'ils la coupent. On s'est craché par là. Ensuite, il y a eu la mousse anti-émeute. Mais pas trop efficace sur moi. Pourquoi ça ? Parce que j'étais en feu, à cause de la voiture. Suivez un peu, Shepard. Pardon. Comment ils vous ont pris alors ? La dalle. J'ai acheté des nouilles. Grunt, demandez pardon au gentil monsieur pour avoir brûlé sa voiture. Pardon pour avoir mis le feu à votre voiture. Et je recommencerai plus. Bien. Maintenant, je vais vous dédommager pour tous les dégâts occasionnés. C'est ce pourquoi vous avez signé, commandant. Vous avez de la chance, Krogan, que je vous recroise pas. Ne vous en faites pas pour ça. Et est-ce qu'elles étaient bonnes, ces nouilles ? Un peu épicées. Grunt, vous êtes mon idole. Shepard, par ici. Merci d'être venu. Ravi de vous voir. Exactement pareil. Hé, hey, Jacob, j'ai plus de crédit. C'est qui ? Leurs parents sont portés disparus. Je m'occupe d'eux pour le week-end. Ça leur change les idées. Bon, et nous, Shepard ? On va bien dégoter un jeu d'adresse pour nous dans tout ça. Ça marche. Génial. C'est ça votre jeu d'adresse ? Je vais tenter de ne pas vous faire honte, Shepard. Vraiment, des vannes. Sur Chatra d'Iso ? Et comment ? Mon honneur est en jeu. En plus, ces gosses me prennent comme modèle. Donc je dois vous écraser. Vous m'écraser ? Je crois pas, non. On se réveille, Shepard.
Ça doit être difficile de ne pas être porté par votre équipe. C'est parti. Tranquille, Shepard. Ces gens vous idolâtrent déjà. Ils vous ramasseront quand vous mordrez la poussière. C'est du harcèlement. Oh, désolé. Reculez tous. Shepard a besoin d'espace pour déclencher sa magie. Prêt ? C'est parti. Heureusement que vos amis n'ont pas vu votre humiliation. C'est tout ? Allez, allez, allez ! Vous pleurez déjà, Jacob ? Ouais ! C'est tout ? Hé, hey, Shepard, sortez ! C'est l'odeur de la victoire. Pas grave, tout va bien. Joli. D'accord, d'accord. Victoire du commandant Shepard! C'était minable, Taylor. Ça confinait à l'incompétence. Vous auriez pu me laisser gagner, pour une fois. Bon, allons manger un morceau. Je vous invite. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne voulais pas vous inquiéter. Quand j'ai su que vous étiez à la citadelle, j'ai voulu vous revoir. On s'est dit au revoir, Shepard. On ne va pas en rester à des formalités. Ces grandes baies vitrées me rappellent nos conversations dans la salle d'observation du Normandie. Cette vue n'a vraiment pas le même effet qu'une galaxie d'étoiles ? Mais je comprends que cela puisse vous rendre nostalgique. Ces conversations m'ont marqué, moi aussi, Shepard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se changer les idées quelques heures? Et si on observait les gens? Les probatrices ont un fin pouvoir de perception. Testons-le. Vraiment? Oui. Par exemple, le Turien là-bas, celui qui boite. Parlez-moi de lui. Qu'est-ce que vous voyez ? Blessé au service actif, j'imagine. Sauf qu'il ne porte pas d'insigne du mérite. Il a l'air d'avoir honte. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je dirais qu'il a été exclu. Il est de Volus, ceux qui chuchotent. Qu'est-ce qu'il y a dans la mallette ? Ils sont frères, mais aussi associés. Celui de gauche a un problème d'alcool. Et a mis en péril la fortune familiale en se livrant à des transactions risquées. Mais les Soleils Bleus ont kidnappé sa femme, et son frère a dû payer la rançon. 2,3 millions de crédits. Vous voyez tout ça ? Non, j'invente. Vous voyez, c'est marrant.
Ok. L'Elcor au parapluie. Je vous écoute. Trop facile, Shepard. Ok. Et moi, tiens. Trop difficile. Je vous trouve vraiment remarquable, Shepard. Quand les holos chantent vos louanges et vous érigent en légende, ça vous fait rougir? Vous approuvez? Ça vous fait quoi? C'est gratifiant, mais honnêtement, savoir qu'on se rend utile, ça fait que nous encourager, moi et toute mon équipe. Et maintenant? Je suis très bien ici, Shepard. Restons là encore un peu, même si c'est dans le silence. Ici Anna Shepard. Salut, maman. Oh, mon enfant. C'est si bon d'entendre ta voix. Sacrée surprise. Ça faisait longtemps. Oui, j'avais besoin de... Je pense à toi tous les jours. J'essaie de ne pas m'inquiéter. L'autre jour, je repensais aux histoires qu'on inventait pour t'endormir. Tu avais ton propre vaisseau avec ton équipage. Ça parlait toujours d'aventure. Et de danger. Ah oui, j'avais pas pensé à ça depuis longtemps. Moi non plus. Tu finissais toujours par punir les méchants et sauver l'humanité. Et regarde-toi. Déjà petit, tu rêvais de la vie que tu mènes aujourd'hui. C'est pour ça que tu m'as demandé d'appeler ? Non. Je veux juste que tu saches à quel point ta mère est fière de son fils. Merci, maman. Je dois y aller. Je sais. Fais attention à toi. Je t'en prie. Au revoir, mon chéri. Pardon pour le retard. Quelqu'un avait oublié la cerveza. Entrez donc. Et ce quelqu'un, c'était vous ? J'ai pas dit le contraire. Et ce match, c'est pour quand ? Ça devrait plus tarder. Les sorciers de Seattle contre les maestras d'Usaru, ça promet d'être une sacrée partie de BOT Ball. Non, c'est juste un match amical pour le moral des troupes. Y a pas vraiment d'enjeu. En pleine guerre et avec leurs frères d'armes pour spectateurs, ils se donneront à fond. C'est sûr. Vous avez vu jouer Derek Rogers récemment ? Avec les sorciers, il écrase tout sur son passage. Esteban, les maestras perdent jamais. Vous avez vu le jeu de Tiratsanis, rapide comme l'éclair. Monsieur Vega, votre amour pour l'équipe Asari tient plus à leur apparence qu'à leur jeu. Eh, c'est pas vrai. Pas complètement. Et puis, vous voulez me faire croire que les sorciers vous font pas le moindre effet ? Ok, ok, je plaide coupable. Et vous, Shepard, vous soutenez qui ? Je sais pas trop. Vous en pensez quoi ? Les sorciers sont une des rares équipes humaines qui restent. Ils jouent à l'extérieur quand la Terre a été attaquée. Depuis que Donna Dovotny a quitté les pirates pour les rejoindre, ils sont quasi invincibles. Ouais, mais les maestras jouent depuis bien avant le premier contact. Elles vont l'emporter. Je sais que les sorciers n'ont jamais battu les maestras, mais ils n'ont jamais été aussi motivés. Alors, Shepard, vous penchez pour qui ? Ça se fait pas de parier contre l'équipe qui joue à domicile. Monsieur Vega, soyez prêt à ravaler votre fierté. Le commandant n'est pas du genre à se tromper. Chut, le match commence. C'était dehors ! Arbitre des merdas ! Ouais ! Ils ont gagné ! Par ici, la monnaie. Hé, hey, vous m'avez pas dit que vous aviez parié. C'est qu'on pariait pas vraiment sur le vainqueur. On pariait sur l'exactitude de votre pronostic. Et tout le monde sait qu'il ne faut pas parier contre Shepard. Peu importe, c'était un sacré match. Ouais, super soirée. Merci, Shepard. Mais de rien. Allez, il se fait tard. Hasta luego.
avec Cerberus, ramasse un sac. Miranda. Vous êtes classe aujourd'hui, Shepard. Je me suis dit qu'on pourrait sortir. Vous avez un peu de temps libre, on dirait. C'est vrai, mais je n'ai pas trop l'habitude. Je suis un peu perdue. C'est nul, hein. Je me suis dit qu'il nous fallait un break. À quoi bon sauver la galaxie si on ne peut pas en profiter un peu? Franchement, je suis un peu surpris. Je sais. Je peux être un peu sévère parfois. Concentré, je dirais. Ce que je comprends très bien. Je repensais à notre précédente discussion sur le fait d'avoir une vie normale. Je ne suis pas très douée pour ça. À vrai dire, Shepard, je ne suis pas très douée pour mener une vie normale. C'est même plutôt une catastrophe. J'ai compris. Il nous faut juste un peu d'entraînement. Des idées? Regardez autour, l'endroit est plein de bonnes idées. Ici? Tout ce que je vois, c'est alcool, jeu et perte de temps. Ok, j'ai soif. Encore du vin pour la dame. Oh, je sens que je vais le regretter. On est juste deux potes de sortie en ville. Au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Allez, partenaire, mettons le feu. Commandant, vous devez acheter des articles de soirée avant de lancer les festivités. J'ai déjà pris soin d'approvisionner votre compte à cet effet. Qu'est-ce que je vous sers? J'étais ici quand Cerberus a attaqué, mais je ne me souviens pas de vous.
Je crois avoir quand même aperçu le commandant Shepard se battre du côté des ascenseurs. Bah ouais, Shepard protégeait le conseil, mais j'avais mes propres problèmes à résoudre. En fait, j'étais près des quais, pas loin du quartier général du SSC. Oh, Shepard court après le conseil! C'est le moment ou jamais! Oh merde! Cerberus! C'est Joker! Il peut à peine marcher! Comment pourrait-il nous arrêter? Comme ça! Un peu d'humour! Oh, nous n'aurions pas dû sous-estimer Joker! Non! Fallait pas! Ça s'est à peu près passé comme ça. C'est pour ça que vous devriez m'offrir mes consos. Non. Allez, un geste. J'ai du mal à croire tout ce qu'on raconte sur Shepard. Alors sur vous. Ok, je vais essayer de ne pas mal le prendre. Mais si Shepard était là... Salut Shepard. Je suis le commandant Shepard et je soutiens mon pilote. Jeff Morrow est un héros. Tous les gens dans cette pièce lui doivent la vie, moi compris. Je suis désolée, commandant. Je ne savais pas. Les verres sont pour moi, lieutenant. Merci, commandant. Vous me rembourserez plus tard. C'est tout. Ça ne m'étonne pas, tiens. Ravage.
Comment avez-vous convaincu l'acteur de jouer avec la Pidgeot? Oh, il a changé la vie. Rex, qu'est-ce que vous faites là? Non, je m'échappe. Depuis qu'on a guéri le génophage, j'ai pas le temps de souffler. Le conseil vous harcèle? Ah, non, pas ces enfoirés de Pidgeac. Non, juste... les femelles, Shepard. Maintenant qu'elles sont à nouveau fertiles, j'ai pas dormi depuis... Je peux vous servir quelque chose? Deux eaux de verre. Et encore un sac de glace. Je croyais que vous aimiez la fertilité Krogan retrouvée. Ça se passe bien. En ce moment même, devant chez moi, il y a une queue de femelle qui s'étend à perte de vue. J'ai dû m'enfuir par la fenêtre des toilettes. Et je me suis même fait coincer par deux femelles en venant de Tuchanka. Et c'est juste pour vous. Les autres Krogan n'en profitent pas? Si. Mais elles veulent juste que leur première génération soit robuste et puissante. Je suis le chef du clan Urnot. J'ai éradiqué le génophage. Toutes les femelles de Tuchanka veulent mes gènes. Et Bakara ne m'aide même pas. Elle les encourage même. J'ai vraiment pas la forme pour affronter les moissonneurs. Vu tout ce qu'on a affronté ensemble, je crois que c'est pas la pire des positions. Croyez-moi, j'ai testé toutes les positions ces derniers temps. Voici vos verres et un sac de glace. Mmh. Et je croyais que Mordine m'avait fait mal. Ah, bref. Bah, Shepard, on a vu de sacrées choses, pas vrai? Et c'est pas fini. Ouais. Allez, à la nôtre. Et aux choses qu'on a vues. C'est un bon toast. Corbal! Ça veut dire... la victoire ou la mort. Ah, mais vous ne pouvez pas mourir. Vous avez une famille, une très grosse famille. Ah, de la glace! C'est interdit. Dégage. J'adore cette chanson. On danse ?
c'est le pire. Après la mission, l'ex-Cerberus a osé primer en donnant. Y aura-t-il d'autres pièces à l'corps de Shakespeare? Bienvenue dans le château. Commandant, je vois que vous avez acheté les articles de soirée nécessaires. Dès que vous le souhaitez, vous pouvez envoyer les invitations via votre terminal privé.
Bonjour, commandant Shepard. Bienvenue dans l'arène d'Armax Arsenal. Armax Arsenal et l'Office du Tourisme de la Citadelle sont heureux de vous offrir une inscription gratuite aux compétitions. Vous pouvez lancer un combat à l'étage inférieur en choisissant les paramètres du simulateur. Entrez dans le vestiaire pour commencer. Le prochain combat va bientôt commencer. Bonne chance à tous les participants.
don du simulateur. Veuillez vous préparer pour vos combats à l'étage inférieur. Combattants, n'oubliez pas de réclamer vos prix à la boutique de l'Armax Arena dans le hall principal. Hé, hey, contente de vous voir. J'ai tout préparé. Mesdames et messieurs, des combats exceptionnels vous attendent ce soir dans l'arène d'Armax Arsena. Décompresser sans s'occuper des gosses. Ça fait plaisir de voir ces subalternes être appréciés à leur juste valeur. La ferme. Qui a dit que je parlais de vous? Je crois que si Dieu existait, c'est ça qu'elle ferait. Un bon gros boum rassurant qui nous dirait que tout va bien se passer. Merci d'être venu, Shepard. Je n'ai pas raté ça.
J'ai été truqué. De quoi? Impossible que l'équipe parte à toi. Alors, une cabine privée sur un vaisseau de guerre, ça ne vous suffit pas? Je surveille les lieux pour un ami. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle Ezo. Ezo? Ouais, il vient de Tessia. Il est naturellement biotique grâce à l'élément zéro. Les biotiques les rendent irritables, donc beaucoup d'entre eux sont maltraités ou abandonnés. Vous imaginez? Il y a vraiment des monstres. Je l'ai trouvé dans un refuge. J'essaye de lui réapprendre à faire confiance aux gens. Au début, il était très agressif. Mais avec tout l'amour que je lui donne, il est plus doux maintenant. Hein? C'est qu'il m'a l'air bien... brave. Oui. C'est qui mon minou biotique? C'est qui mon minou biotique?